Bonjour. Vous avez parlé avec le seigneur? Je dois parler au seigneur Temar. Il est en compagnie. Je viens à la demande de Mercir. Un de Saint Naval. Ah. Bonjour, messieurs. Cette intrusion, monsieur, c'est un visiteur et le directeur de la service est amené à boire à manger pour nous préparer. Vous êtes salé, vous n'y avez pas assis. J'ai hâte d'interroger Larim pour l'interroger. Et là, écoutez, je ne vais pas vous mentir. Liscan et moi avons simplement le même objectif, l'université de Nasher. Qu'avez-vous contre Nasher? C'est un idiot et un incompétent. Sous sa tutelle, la puissance de la prospérité de la ville ont chuté. Merci, mais je n'ai pas faim ni soif. Les gens disparaissent tout le temps, ils le scannent. Alors, laissez-moi 1, 2, 3, 4. Les gars, bagarre! Je le savais que c'était un piège. Je me doutais que c'était un piège. C'était sûr et certain. Nishka, bravo. Viens. Si j'avais bu, je serais sûrement mort. Bon. Oui. Donne-moi ça. Et on va la rime. Épée courte à nous. Très bien, je prends tout ça. Bon, et bien voilà un problème qui est réglé. J'aurais voulu que ça se règle dans de meilleures conditions. Malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est là d'où je viens, n'est-ce pas? Très bien. Un escalier et une petite salle, sûrement la cuisine. C'est même la cuisine. Il y a une porte juste là. Qu'est-ce qui s'y cache? Ah, ça devait être son bureau. Rien d'intéressant. Il y a... Ah, il y a, semblerait-il, une porte. Ah non, c'est les escaliers. Il n'y a pas d'autre porte. Bon, je ne peux pas monter à l'étage. Malheureusement. Je ne peux pas monter à l'étage. Bon. Eh bien. Bon. Eh bien, dans ce cas, je pense que je n'ai plus rien à faire. J'aurais bien aimé avoir une preuve que ça complotait. Malheureusement, ça n'a pas... Pas l'air d'être le cas. Même dans son bureau d'ailleurs, hein. Y a rien du tout. Non. Ah, attendez. Peut-être que il y aurait des preuves ici. Potion de soins intensifs et premier secours. Non. Malheureusement. Est-ce que j'ai bien fouillé ici? Est-ce qu'il n'y a pas un coffre de cachet, hein, quelque chose? Non. Bon. Y a rien d'autre. On va retourner au château et puis on va expliquer la situation. Malheureuse situation d'ailleurs. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Hélas, ça n'est pas le cas. Et c'est bien dommage. Bon, et ben retournons au château. Là, je suis bientôt. Je vais en profiter d'ailleurs pour aller examiner un peu tout ça. Non. Tant pis. J'irai demander une expertise à un marchand. C'est bien dommage. Et j'ai aussi vendre quelques épées. Je vais mettre tout ça dans mon sac. Attendez, ouvrir. Ah, je peux mettre 24 objets. Bah écoutez, parfait. Oh, regardez ça. C'est génial. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien ce truc.
24 objets. Oui. Je crois qu'on était à peu près à la même... à peu près la même chose lors de... lors du premier jeu. Je crois que c'était 20 objets aussi. 24 cases plutôt. Des nobles, je déteste les nobles. Je déteste les nobles, c'est un peu le quartier de droite de Neverwinter Nights. Je me demande bien quelle va être la réaction du chevalier lorsqu'on va lui annoncer cette nouvelle. Et je pense pas que ça va lui plaire, justement. Ça me fait un petit peu peur. Qu'est-ce qu'il y a juste à côté? Un noble et un noble, sûrement. Bon. Messire, 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 je n'ai pas de bonnes nouvelles. Tous les deux, que s'est-il passé? Inutile, ouais. Alors, 1500 XP encore une fois, parfait. C'est tout. Messire Novel en juin. Ah, on vous a joint de rencontrer un chevalier du nom de Grayson susceptible. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille retourner dans le quartier marchand. Ok, bon, j'ai fait une petite quête. On va retourner dans le quartier marchand. On a fait la moitié. La moitié. D'un niveau. Incroyable. Bon. Allons au quartier marchand et puis essayons d'avancer un tout petit peu vu que je me perds encore. Et lui il est toujours là, Kurgo. Oh là là, c'est quand même beau, hein, regardez ça. Aïe 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 aïe, c'est incroyable. C'est si beau. Le quartier des marchands. Voyage. Voyage, voyage. Bon, alors, le Grayson vous attend au quartier général de la garde. Eh bien, c'est tout droit, semble, si je ne me trompe pas. Quartier général de la garde, oui, en effet. Parfait, parfait. On va faire une petite sauvegarde juste avant. Et puis, on va pouvoir essayer d'expliquer que c'est pas nous depuis le début. Si on peut expliquer que c'est pas nous depuis le début, évidemment. Alors, Brelian Grayson. La bénédiction de Tyr soit sur vous. Messire Neval m'a expliqué votre problème, et il se trouve que j'ai besoin d'un bachelier. C'est pour le moins inhabituel. En général, les futurs bacheliers passent des mois, voire des années à prouver leur valeur, avant de pouvoir entrer dans la noblesse. Mais la capitaine Brelena et Messire Neval se portent tous deux garants de votre intégrité et de vos capacités. Et j'ai entendu parler de vos exploits en ville. Et vous avez de la chance. Vous n'aurez pas à passer des années à soigner mon cheval et gratter la rouille sur mes armes et armures. Votre besoin est grand. Je vous prends sous mon aile. C'est bon? C'est tout? Vraiment? Ce n'est pas aussi simple, mais des années de service vous seront épargnées dans votre cas. Je suis Messire Grayson Corret. Mon épée est au service de Nachère, de Padiver et de Tyr. Et il m'incombe de vous apprendre la chevalerie, pour que vous ne me déshonoriez pas en tant que votre chevalier. Ah, oui, très bien. La confrérie des chevaliers est liée par les idéaux de la chevalerie et de l'honneur. Sans honneur, un chevalier n'est qu'un animal avec une épée. Être un chevalier,
c'est mener une vie de devoirs et de responsabilités. Nous sommes liés par un code qui prescrit chacune de nos actions. Être brave et valeureux au combat contre vos ennemis. Ne montrer aucune peur en leur présence. Être juste et droit. Incarner et faire respecter les lois de votre seigneur et de votre pays. Respecter vos ennemis et être bon avec vos camarades. Protéger les faibles et ceux qui ne peuvent se défendre. Tous les bacheliers doivent apprendre ces règles dans le sang et la douleur. Mais j'imagine que vous avez assez d'expérience pour les retenir sans qu'on vous y force. Oh, tu m'étonnes. Bon, je vais y aller. Il est important pour un chevalier ou un bachelier de connaître le code de conduite. Plus encore, de le respecter. Être chevalier, c'est mener une vie de service à votre seigneur et à votre royaume. On vous demandera d'effectuer certaines tâches pour la couronne. Vu les circonstances uniques dans lesquelles vous vous trouvez, ces devoirs vous attendront après le procès. Mais il y a un rituel qui ne saurait attendre. La veille. La veille. Votre veille est un moment de réflexion et de contemplation. C'est une tradition sacrée. Tous les aspirants bacheliers passent une nuit dans la clairière de la consolation. Vous devez passer la nuit seul, bien sûr. La plupart choisissent de réfléchir à leurs vœux ou demandent la bénédiction de leur dieu. Le lendemain matin, je vous accueillerai dans notre fraternité. Très bien. Venez, je vais vous guider à la clairière de la consolation. Chaque chevalier et bachelier de Padiver a touché ce sol consacré. À Aum, à Tempus, à Thorm et à Tyr, des prières ont été adressées. Réfléchissez-y. Réfléchissez à la confrérie que vous voulez intégrer. Ou sinon, ne pensez à rien. Je reviendrai au matin et vous saluerai le nouveau jour en tant que bachelier. Très bien. Eh bien, à demain. Tout à fait. Je vous laisse à vos pensées. Tu es là ? Je n'y vois pas grand-chose par ici. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Chandra ? Qu'est-ce que tu fais là ? Écoute, vu les problèmes qui te tombent dessus en permanence, je ne peux pas te laisser seule. Ouais. Merci, mais c'est la tradition, tu sais. Tu crois vraiment à tout ça, n'est-ce pas ? Je me trompais peut-être sur les chevaliers. Eh bien, je m'entraîne, comme toi. Le principe d'un mentor, c'est qu'on doit le suivre. Je ne compte pas partir tout de suite. Et puis, je ne pourrais sans doute pas retrouver le chemin de Padiver dans le noir. Et puis, je voulais voir si un des dieux aurait l'envie de te punir un peu plus. C'est marrant, ça, Chandra. Hey, tu as entendu quelque chose ? Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit là. Mais... Nous lui épargnerons la peine de pleurer sur votre corps. Tu es là ! Je ne vais pas m'enfuir. Allez-y, essayez ! Qu'êtes-vous, messieurs ? On nous a envoyés pour vous tuer, bachelier. Essayez de ne pas mourir trop silencieusement. Plus jamais ça. Bagarre ! Putain, puis on est que deux. Oh la vache, oui. Ah la vache. Et c'est là où je regrette plein de choses actuellement. C'est là où je regrette énormément de choses. Ok, on va changer de strat. Parce que là, je vais dead. Je suis dead. Je suis mort comme un caca. Donc là, ok. C'est les assassins en premier, d'accord. Ok. Et j'ai sauvegardé tellement loin. J'ai sauvegardé tellement loin, mais il faut que je prenne les assassins en premier. Aïe, 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 c'est ma faute. Bon, ça va aller vite, de toute façon. Vous allez voir, au lieu de passer des minutes à s'ennuyer, on va y aller vite. Et vous avez de la chance. Oui, blablabla. Oui. Oh là là. Allez, vas-y, go. Je vais vous guider à la clairière de la consolation. Merci. Putain, le piège nul. Je m'en doutais qu'il allait y avoir un piège, évidemment. C'est bon. Oui. Oui, à demain. Tout à fait. Je vous laisse à vos pensées. Ok, lui se barre. Chandra arrive. Tu es là ? Oula, je n'y vois pas grand chose par ici. Oula, excusez. Oh, attention, je suis en train de faire n'importe quoi avec ma capture. Désolé. Écoute, vu les problèmes qui te tombent.
tombe dessus en permanence, je ne peux pas te laisser seule. Eh bien, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Et puis, je voulais voir... Hey, ensuite... Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit là. Nous lui épargnerons la peine de pleurer. Je ne vais pas m'enfuir. Allez-y, essayez. On nous a... Stop. Hop, je vais faire une sauvegarde ici, à savoir une sauvegarde neutre. Voilà. Et on va prendre les assassins. Un assassin. Qui résiste? Comment ça se fait qu'il résiste autant? Aïe, mais je me fais défonce. Mais... C'est dans mes cordes. J'ai repéré des ennemis. Mais... Aïe. Mais je me fais défoncer! Comment tu veux que j'y arrive? Attends, est-ce que c'est vraiment un truc que je suis obligé de faire ou... Ou est-ce que c'est vraiment au hasard? Si c'est du hasard, je vais m'énerver. Au secours. La Chandra qui résiste quand même pas mal, hein. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Allez, faut mourir, messieurs. Et un mort. Est-ce que Chandra va réussir le... Est-ce qu'elle va réussir? Elle va réussir. Allez, Chandra. Clairière de la consolation. Eh bien. On ne pouvait pas choisir pire nom. Ces hommes sont arrivés de nulle part. On ne peut pas passer une nuit en paix. C'est... De qui ils sont? Aucune idée. Ils n'ont pas l'air de voleurs. Et ils en avaient après nous, c'est certain. Hé, hey, le chef. Il a un anneau au doigt. Un cercle avec des dents. Ou des pointes. On va aller... autre chose? Je ne crois pas. Et tout le sang rend ça difficile. Tiens, prends l'anneau. Je ne veux pas le garder. Écoute, je vais m'éclipser avant le retour de ton chevalier de tutelle. Je ne voudrais pas te causer d'ennui. Ah. Merci. Bien sûr. En fait, d'une certaine façon, c'était rigolo. Bonne chance. Et j'espère que quand nous nous reverrons, tu seras le nouveau bachelier de Pas d'Hiver. J'ai été attaqué. Ils ont dû avoir vent de notre plan et penser que c'était la dernière occasion de vous juger comme ils le voulaient. Quoi qu'il en soit, leurs efforts n'ont rien donné et c'est tout ce qui compte. Je vous prends comme bachelier et vous servirez le trône de Pas d'Hiver. Ce titre vous admet également dans la noblesse, car il ne saurait y avoir de charge plus noble que protéger son foyer contre ceux qui le menacent. Venez, il faut informer Nachère de votre changement de statut. Je reviens, ne bougez pas, attention, ne bougez pas. Hop là, je prends ceci et je vais checker l'anneau. Anneau étrange. Vous avez trouvé cet anneau sur la table des hommes, un morceau fusculaire constitué de pics et de poignards entremêlés. L'anneau n'a rien de remarquable. Ouais, mais c'est étrange. C'est bon, on peut y aller. Oui. On peut y aller, excusez-moi. Je vérifie juste un petit truc par terre. Ah, messire Grayson, quel plaisir de vous voir. Je suis honoré, monseigneur. Que faites-vous là? Vous paraissez troublé. Seigneur, j'ai cru comprendre que cet homme est accusé de meurtre et doit être remis à Luskan pour son procès. Ce que vous avez entendu est exact. Que venez-vous faire ici? Je suis ici parce que cet homme est mon bachelier et doit être jugé par votre main et la volonté des dieux. Baliverne, vous n'avez pas de bachelier. Choisissez vos paroles avec soin, ambassadrice. À moins que vous vouliez accuser un de mes chevaliers de menteur? Je n'entends que les mots d'un homme qui abrite les coupables. Alors laissons parler l'accusé. Qu'en dites-vous? Mon bachelier dit-il vrai? Lui êtes-vous lié? Je suis son bachelier, sujet, je jure, servir pas d'hiver avec fidélité. Alors c'est vrai. Cela signifie que le bachelier sera jugé ici, ambassadrice, et non entre les murs de Luskan. J'ai été bien sotte d'attendre de pas d'hiver qu'elle apporte la justice. Toi, ça va être la bagarre à un moment, je vais pas comprendre. Et on remue du cul, putain. Voir ce sourire supérieur s'effacer de son visage me ravit au plus haut point. Mais cela n'a fait que nous donner un peu plus de temps et nous ne pouvons pas le perdre. Nous devons découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à Amber, et vite. Mais vous ne pouvez pas le faire ici. Vous avez ma bénédiction pour quitter Pas d'Hiver, si vous jurez de revenir à temps pour le procès. Je le jure.
Allez à Port-Last. Quelqu'un pourra vous guider jusqu'à Amber. Puis revenez avec ce que vous pourrez pour prouver votre innocence. Il serait sage de parler à Aeromos à Port-Last. On dit qu'il est juste et qu'il veille à son peuple et ses terres. Nous verrons cela. Félicitations pour votre entrée au service de Padiver et de ses chevaliers. Servez Padiver et la cité vous servira. Pour l'heure, allez à Port-Last. Consultez votre carte. Une fois sur place, essayez de vous rendre également à Amber. Ne vous découragez pas. Je suis sûr que vous dévoilerez la vérité sur cette affaire avant longtemps. Et après cela, j'aurai d'autres tâches pour vous. Très bien. Eh bah, ben, ça me semble parfait. Ça me semble parfait que tout cela... Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, je pense que cette petite session va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas encore comment je vais monter, combien d'épisodes je vais en tirer, mais je pense environ entre, allez, 3-4, si tout va bien. En tout cas, on continue notre aventure et pourquoi on a Sand? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi j'ai Sand? Pourquoi j'ai lui? Bon bah écoutez, hein, on va faire le niveau de Sand, hein, on va pas trop regarder. Efficacité des sorts supérieurs, trop bien. Désintégration, boost suprême, transformation en de tenseur. Devient une véritable machine de destruction, ok. Vous ne pouvez pas accéder à votre inventaire, très bien. Et corps de roche, très bien. Ok. Je sais, ok, j'ai donc un magicien avec moi. Eh ben écoutez, on va y aller comme ça. Comme je le disais avant de me faire interrompre par Sand, qui n'a pas beaucoup de points de vie d'ailleurs, et qui n'a pas d'équipement, évidemment, parce qu'il est à poil. On va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que je suis un peu partout sur les internets, que ce soit Twitter, que ce soit Insta, que ce soit Twitch, très important, Twitch, je vous invite à me rejoindre et à appuyer sur le bouton de follow. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire et de regarder les autres vidéos. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.